السلام عليكم وتحية نضالية وتحية لجميع الأحرار، وكنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم عندنا الملف ديال أمل هشام. أمل هشام هي الآن في وضع خطير بزاف وكارثي، ممكن مستجدات خطيرة تقدر يعني تلاح للشارع كما كنقولوا. كنتمنى من الأحرار يساعدونا غير بارتاج، لأن الإنسانة هذه كتعرض للظلم على جوج جوايع: الجهة الأولى مع الناس اللي كظلموها، والجهة الثانية أننا احنا ما قدرناش نوصلوا المشكل ديالها الرأي العام لا المغربي ولا الكندي. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش توصل للمعاناة ديال امل هشام. السلام اختي اسماء، وعليكم السلام ورحمة الله. انت اختي على المباشر. سمحوا لنا على هاد سميتو على هاد التعطيلة، نورمالمون كانت العشرة ما كاين مشكل. المهم الوضع ديال اختي امل هشام هو وضع كارثي بكل المقاييس. يعني الناس اللي كتسمعنا دابا خصها تبارطاجي غير انسانيا، لان الاخت ديالي تقدر ثاني ترجع للشارع، تقدر ترجع ثاني للزنقة، مع العلم ان عندي جوج خوتي اللي عندهم وضعية جد جيدة في كندا، عندهم خدمة مزيانة، وعندي الأم ديالي اللي بديورهم، ومع ذلك تقدر تعيش في الشارع، ترجع تاني للزنقة. وهذا الشيء كله من المخططات ديال هذيك العصابة الإجرامية اللي سرقت الأخت المشروع، واللي حطوها في واحد زعما في واحد الوضعية لا زعما لا يحسد عليها. أنا بغيتكم تبقاو معايا، الله يرحم لكم الوالدين، لأنني دابا غنجيب باللغة الفرنسية باش هاد الشيء يوصل للشعب الكندي تقريبا واحد 10 دقائق، ومن بعد غنفسر لكم اشنو وقع لاختي بالتفصيل الممل بالعربية. ولكن بغيتكم تبارطاجيو، لان كل بارطاج كيجعل ان الاخت ديالي تقدر او على الاقل ما تجيش للزنقة. انتم عارفين كندا بان دابا هاد الوقيته راه البرد تقريبا ناقص 20 درجة، هذه رقم واحد. رقم جوج، يعني تقدر مثلا ترى لها شي حاجه في الزنقه، تعرفوا مره كتبت في الزنقه. ثالثا، ما تقدرش تمشي راني غنحكي لكم علاش ما تقدرش تمشي مثلا لي فوايي وداك الشيء، ولكن غنبدا بالفرنسي وان شاء الله غادي نرجع بالعربيه. كونوا على الموعد. اوكي السلام عليكم. وي بونجور، جي سوي فريمون ديزولي بور لو روتار مسيو كرومي، لا يو ان كونتر تون، اون ا فينالمون في لو لايف، جي سوي فريمون ديزولي 2 heures ابري، مي il fallait absolument que je fasse ce live. J'espère que tout va se dérouler normalement. J'espère que le live, je vais partager le live, mais je l'ai partagé dans ma page, donc il doit apparaître à tout le monde. J'espère que le son sera normal. J'espère que la vidéo ne sera pas supprimée comme ça a été le cas avec plusieurs vidéos dont Mohamed Karoumi m'a fait. Donc, dans cette vidéo, je vais parler. Il était prévu que je parle d'une idée que j'ai eue pour faire connaître l'affaire Amel Hichem. Pour laquelle, bien entendu, j'aurais besoin de votre aide. Mais j'aimerais vous dire avant tout que les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Ma sœur risque encore une fois de se trouver dans la rue, de se trouver dehors, et tout risque de lui arriver. Vous savez, une femme qui passe la nuit dans la rue, tout peut lui arriver. Sachant qu'elle n'a pas où aller, sachant que même s'il existe des foyers d'hébergement pour femmes, elle ne peut pas y aller. J'ai expliqué la dernière fois pourquoi, parce que dans deux foyers, il est arrivé des choses. Ma sœur, elle est harcelée partout où elle met les pieds. Dans un foyer, ils ont donné l'adresse confidentielle au tribunal de Gatineau, alors que c'est contre la loi, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et dans un autre foyer, une femme l'a faussement accusée et ça aurait pu mal finir pour ma sœur. Donc, ma sœur, elle ne peut pas mettre les pieds dans un foyer. Et le but de tout cela, c'est qu'elle se retrouve dans la rue. Donc, voilà ce que j'ai décidé. J'ai décidé que tous les jours, retenez bien ce que je vais dire, que tous les jours, je vais mettre une publication qui va être publique, qui doit apparaître à tout le monde, parce que j'ai des preuves que quand je mets des publications, même si elles sont en mode public, elles n'apparaissent pas à tout le monde. Ça fait partie du piratage informatique qu'on subit. Et je ferai avec Mohamed Karoumi, parce que lui, il m'a promis de me soutenir jusqu'à ce que ma soeur retrouve ses enfants. Je ferai avec Mohamed Karoumi un minimum de 2 vidéos par semaine. Sinon, une publication sera faite tous les jours. Donc, normalement, tous les jours, vous allez trouver une publication où je vais parler je vais parler de ce que vit ma soeur, comment les choses ont évolué pour ma soeur. Et bien entendu, je raconterai la vie quotidienne de ma soeur Amel Hicham. Normalement, ce problème ne devrait même pas se poser, sachant que j'ai
deux frères au Canada et j'ai ma mère. Mes deux frères vivent une très bonne situation au Canada. L'un est professeur dans un lycée, l'autre il est ingénieur en informatique. Ils ont de grandes maisons. Normalement, ma soeur ne devrait pas se trouver dans la rue. Sauf que j'ai des preuves que mes frères et ma mère subissent une très grande pression par cette organisation criminelle. À un tel point que ma mère m'a dit dernièrement, j'espère que cette vidéo ne sera vraiment pas coupée, que tout le son est normal. À un tel point que ma mère m'a dit au téléphone que si je continue à parler de Mitsugelina et de cette affaire, elle va détruire ma vie. C'est-à-dire que la pression, elle est très forte, je ne sais pas avec quoi il les menace. Ceci dit, vous connaissez, vous avez tous, j'ai parlé et reparlé de cette affaire à plusieurs reprises. Toute cette histoire a commencé quand ma soeur a présenté un projet à Mitsugelina en 2011. Puis par la suite s'ensuit une correspondance entre elles. Et malgré l'entente de confidentialité qu'il y a eu par email en 2012, Mitsugelina, où il était question que Mitsugelina n'a pas le droit d'utiliser ce concept, ni elle, ni personne d'autre, Mitsugelina a présenté, a animé une émission qui s'intitule « Tout part de soi », dont le concept est tiré du concept que ma sœur lui a présenté. Les choses ne vont pas s'arrêter là. Nous avons des preuves que Mitsugelina espionnait nos ordinateurs et écoutait nos téléphones. Non seulement ça, mais les pirates informatiques bloquent les systèmes informatiques du gouvernement canadien lorsqu'on a essayé d'envoyer les emails aux députés et aux ministres. Donc, comment Mitsugelina a pu avoir accès à des systèmes informatiques qui pourraient pirater les ordinateurs et les téléphones de ma sœur qui est au Canada et moi qui suis en France? C'est la première des choses. Ce que j'ai fait pour être sûr que tous les responsables canadiens soient au courant de cette affaire et que les emails sont bien reçus par les responsables canadiens, ce que j'appelais à chaque fois que j'envoyais un email, l'information de l'email que j'envoyais, parce que j'envoyais des documents qui prouvent les actions inégales faites par les par les avocats et par les juges et par Khalil Zohairi, qui est l'ex-mari de ma sœur. Et je reçois la confirmation de l'adjoint des ministres et des députés. Donc moi, j'ai la preuve que plusieurs personnes en position d'autorité, dont des ministres et des députés, sont au courant de cette affaire. Et il s'agit d'eux, des différents responsables, qui sont au courant, le barreau du Québec, le conseil de la magistrature, la police, la déontologie de police, les députés et le premier ministre, et malgré tout, aucune enquête n'a été faite. Comme je l'ai toujours dit et répété, le harcèlement que je subis, je le subis quotidiennement. Il se fait d'une façon cachée. Mais on a heureusement pu documenter quelques preuves. Et c'est ce qui fait que ma soeur est maintenant en danger, parce qu'on a des preuves qui sont claires que Mitsugelina écoutait à nos téléphones et espionnait nos ordinateurs. Le harcèlement que Mitsugelina nous a fait subir pendant plusieurs mois montre que nous sommes écoutés au téléphone et que nos ordinateurs sont espionnés. L'intimidation a été sans relâche et j'ai eu la preuve que même dans ma propre maison, je suis espionnée. J'ai expliqué dans la vidéo en direct que j'ai fait avec Mohamed Karoumi le 20 octobre comment une discussion privée entre moi et mon mari dans la cuisine, où je parlais d'un prêt que j'ai fait à une personne de la famille, en me connectant dans ma page Facebook, une personne que je ne connais pas, a repris mot par mot la discussion que j'ai eue avec mon mari. Et non seulement ça, elle m'a identifiée alors que je ne la connais même pas. J'ai pris des captures d'écran et j'ai des preuves de ça. Moi, je savais bien avant que j'étais espionnée dans ma maison, c'est-à-dire que le harcèlement se fait toujours d'une façon cachée. Les harceleurs ne laissent jamais de traces. Et je l'ai toujours dit. Mais maintenant, j'ai la preuve. Le harcèlement que nous avons subi a plusieurs buts. La première est de nous pourrir la vie. C'est ce que Mitsugelina a réussi à faire pendant plusieurs mois. Et s'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, elle n'a qu'à porter plainte contre moi. Si c'est de la diffamation, pourquoi elle se cache? Qu'elle montre son courage quand Mitsugelina écrivait des choses sur sa page Facebook et qui touchait nos vies privées. Qu'elle porte plainte contre moi. Qu'elle porte plainte pour diffamation si ce que je dis n'est pas vrai. Et le harcèlement a pour but, bien entendu, non seulement de nous pourrir la vie, mais aussi de nous faire passer des messages, de nous montrer qu'il est inutile d'essayer de faire quoi que ce soit puisqu'on est surveillé 24 heures sur 24. Dans ma maison, quand je sors, je suis suivi par des personnes. Quand je parle au téléphone, je suis sur écoute téléphonique. Quand j'envoie des messages par email, c'est-à-dire que tout est sous leur contrôle. Des vidéos ont été supprimées à mon insu et à ceux de M. Karoumi, de sa page.
J'ai des preuves qui montrent les actes de piraterie informatique dont j'ai été victime, moi et ma sœur, que ce soit sur ma page Facebook ou dans ma chaîne YouTube ou dans mon compte Gmail, et plusieurs emails ont été bloqués. Mais aussi le harcèlement a pour but de nous faire passer des messages, comme par exemple des menaces. Ou bien ces derniers jours, les pirates informatiques essaient de me faire comprendre que bientôt je n'aurai aucun soutien. C'est-à-dire les deux soutiens qui me restent, Mohamed Khorrami, Sadiq Mehfad, je ne peux plus compter sur eux. C'est pour ça, moi, j'ai décidé à partir de demain de faire des publications tous les jours qui doivent être publiques et qui doivent apparaître à tout le monde, où je parlerai de la vie quotidienne de ma sœur qui est maintenant en danger. Et elle n'est pas censée être en danger puisque j'ai deux frères et une maman qui sont au Canada et qui ont tous des maisons. Normalement, elle ne doit pas se retrouver dans la rue. Ça, c'est la première des choses. Et j'ai le harcèlement que je subis en ce moment, c'est-à-dire le message qu'ils aient de me faire passer en ce moment, c'est que ma sœur, que cette histoire va être finie le mois de novembre ou décembre. C'est-à-dire qu'il y a un plan mis en place, ou bien pour enfermer ma sœur, ou bien de l'expulser du Canada, ou bien de la mêler à une histoire de fraude et l'emprisonner. Je ne sais pas quel plan a été mis en place par cette organisation criminelle pour faire taire ma sœur à jamais, mais apparemment, il y a un plan. Et là, j'aimerais m'adresser à mes deux frères qui se trouvent au Canada, à ces bandes de lâches qui laissent tomber ma sœur et qui la laissent dans cette situation dramatique. Déjà, de un, j'ai des preuves qui sont impliquées dans cette affaire puisque moi j'ai reçu un email de l'un des deux qui me dit clairement, si tu soutiens ta sœur encore une fois, je vais dire que tu as des problèmes. Je vais appeler les services sociaux et je leur dirai que tu as toi aussi des problèmes mentaux. C'est-à-dire qu'il refuse que je soutienne ma sœur. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il sait que ma sœur, elle est en danger. Normalement, il ne doit pas la laisser dans la rue. Et ça, c'est ce qu'on appelle un non-assistance à une personne en danger. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire que maintenant, il y a un plan qui a été mis en place pour se débarrasser de ma sœur. Ce sera ou bien le mois de novembre ou bien le mois de décembre. Et ils veulent la mettre dehors pour mettre en place ce plan et exécuter ce plan. Ça, c'est la troisième des choses. C'est pourquoi, moi, je répète encore une fois que je vais faire des publications tous les jours qui doivent apparaître au public pour raconter le quotidien de ma sœur qui est maintenant en danger. Et concernant l'idée dont j'ai parlé, étant donné que preuve à l'appui, des journalistes ont subi de la pression pour ne pas parler de cette affaire, des membres de ma famille ont subi de la pression, que ce soit au Maroc ou au Canada. Plusieurs tentatives ont été faites pour supprimer ma page Facebook. J'ai créé une nouvelle page Facebook qui s'appelle Affaire Amel, en un seul mot, Hicham, espace Hicham. J'ai mis le lien dans ma page Facebook le 20 octobre. Mohamed Karoumi et Sadiq Mehfad, que je remercie beaucoup, m'ont promis leur soutien jusqu'à ce que ma sœur retrouve ses quatre enfants et que justice soit faite. Donc, je répète encore une fois, je vais faire des publications tous les jours. Ça doit être public tous les jours. Je vais raconter le quotidien de ma sœur et ce qu'elle subit. Et je sais qu'en ce moment que je vous parle, il y a un plan qui a été mis en place par cette organisation criminelle pour étouffer l'affaire de la piraterie informatique. Ils veulent se débarrasser de ma sœur, soit le mois de novembre, soit le mois de décembre. De toute façon, ma sœur n'a rien fait contre la loi pour qu'on l'enferme ou pour la faire taire. J'espère que cette vidéo ne sera pas supprimée. Autre chose, parlons concernant l'idée que j'ai eue. Puisque moi, je n'arrive pas c'est des moyens de communication que j'ai sont sous contrôle. Je demande à ceux qui m'écoutent de contacter eux-mêmes des journalistes, de leur parler de cette affaire qui est vraiment dramatique. Je ne sais pas comment va finir cette affaire. Que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, dans n'importe quel pays, parlez-vous-même, montrez-leur ma page Facebook. Toutes les preuves sont dans ma page Facebook. Si vous avez des amis, des connaissances au Canada, parlez-leur de cette affaire. Maintenant, les gens qui disent que c'est impossible que le système judiciaire canadien soit pourri et corrompu à ce point. Je leur dis qu'il suffit d'aller voir dans ma page Facebook, de regarder les vidéos preuves de divorce de 1 à 8 et de regarder la vidéo que ma sœur a faite, autorisation d'appel à la Cour suprême. J'ai pris l'initiative de sortir les preuves des actions illégales faites par les juges et les avocats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une enquête s'ouvre? Ma sœur, elle est en danger. Je vous dis qu'il y a maintenant un plan qui est mis en place pour la faire taire. Sur les actions illégales faites
par les avocats Noël et associés et les deux juges Suzanne Tessier et Marie-Josée Bédard. Qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir une enquête sur la piraterie informatique en lien avec Mitsugilina et Québecor? Sur la pression qui a été faite sur ma famille au Canada et au Maroc, sur les journalistes, l'officier du police canadien qui a dit à Michel Zakaria de nous dire de ne plus parler de cette affaire. C'est-à-dire que, au lieu que la police ouvre une enquête sur ce qui arrive, au lieu de protéger ma sœur contre ces criminels, eux aussi, ils s'impliquent dans cette affaire. Ils deviennent complices. Ma sœur, plusieurs accents graves ont été faits au tribunal de Gatineau, au vu et au su de plusieurs responsables. Le barreau du Québec, la police, la déontologie de police, les députés, le premier ministre. Aucune enquête n'a été faite. On a des preuves que Khalil Zouhari, l'ex-mari de ma sœur, qui a été l'outil de cette organisation criminelle, a dit de fausses informations à la police, à la banque, aux impôts, qu'il a falsifié la signature de ma sœur, qu'il a fait des parjures au tribunal. Et malgré ça, aucune suite. Les plaintes que ma sœur a faites. Cet homme n'est pas du tout inquiété par la justice et vit au-dessus de la loi. Maintenant qu'on a des preuves claires d'infractions commises par des juges et des avocats et qu'aucune enquête n'a été faite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette justice cesse? Ma sœur a envoyé en fin juillet 2017 par huissier son opposition de la vente de la maison qui ne respecte pas la loi. Que son ex-mari Khalil Zouhari ne peut pas se baser sur un jugement qui n'est pas reconnaissable selon la loi. Cette plainte faite en fin juillet à la police, à la Cour supérieure de Gatineau, à la banque, normalement et selon la loi, le tribunal doit annuler ce contrat. Car selon la loi, une personne n'a pas le droit d'acheter la maison familiale s'il est responsable de la vente. Ce qui arrive à ma sœur est révoltant, insoutenable, mais en même temps, c'est la réalité d'un système judiciaire pourri et corrompu. L'organisation criminelle qui inclut des juges, des avocats, des policiers qui ont essayé d'enfermer illégalement ma sœur Amel sur la base de fausses informations, de prendre illégalement ses biens et sa maison pour qu'elle n'ait plus les moyens de se défendre. Plusieurs parjures faites par Khalil Zouhari sont parlées de la préfabrication d'un dossier médical contre ma sœur alors qu'elle était hors du Canada, elle était aux États-Unis. Les jugements faits par les juges Suzanne Tessier et Marie-Josée Bédard autorisent Khalil Zouhari à faire plusieurs actions illégales, d'expulser Amel de sa propre maison, de vendre sa maison sans son autorisation et de prendre ses biens. Un autre plan a été fait par les avocats Noël et associés pour expulser Amel Hichem du Canada et en complicité avec les deux juges, Marie-Josée Bédard et Suzanne Tessier. Un fax envoyé par les avocats Noël et associés le 28 avril 2016 montre que la maison va être vendue par un non-résident canadien. Et ce fax montre que c'est ma sœur dont on parle, alors que ma sœur est une citoyenne canadienne et aucune mesure d'expulsion n'a été faite contre elle. Ce fax envoyé par les avocats Noël associés montre qu'en plus d'être illégalement expulsée, ma sœur ne pourra plus réclamer son argent. C'est-à-dire qu'après son expulsion au Maroc, il lui arrivera quelque chose qu'elle sera plus en mesure de réclamer son argent. On a des preuves qu'il y a eu des contacts du Canada avec le Maroc, pour étouffer cette affaire de piraterie informatique, puisqu'un journaliste, Michel Zakaria, m'a dit qu'un officier de police canadien lui a dit de nous dire de ne plus parler de cette affaire. Et comme je viens de le dire, au lieu que la police canadienne ouvre une enquête sur les actions illégales faites au tribunal de Gatineau, la piraterie informatique et les actions illégales faites par Khalil Zouhari, ils seront complices dans cette affaire pour étouffer l'affaire de la piraterie informatique. Maintenant que les preuves sont sorties, un plan a été mis en place pour forcer ma sœur d'accepter cette vente. Elle est dans une vie expliquée qu'ils veulent la mettre dehors, dans la rue. Et il y a un autre plan, et ça je l'ai compris par le harcèlement que je subis quotidiennement, pour faire taire ma sœur à jamais. Voilà. Ma sœur, elle se verra dans l'obligation de toucher, si elle sort et qu'elle n'a plus d'argent, elle se verra touchée dans l'obligation de toucher la part de la vente illégalement faite et qui s'est faite sans le consentement de ma sœur. Et mes proches n'arrêtent pas de lui dire de prendre cet argent, que ça ne sert à rien d'insister. Je viens de dire que j'étais menacée par ma propre mère, qui m'a dit que si je continue à parler de Mitsugilina, elle détruira ma vie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de lui faire des menaces avec ses deux fils. C'est sûrement ça, pour qu'elle me menace, moi, sa propre fille, c'est que ses deux fils sont menacés de je ne sais quoi. Puisqu'ils ont déjà préfabriqué un dossier alors que ma sœur était hors du Canada, ils peuvent préfabriquer n'importe quel dossier
et incriminer un de mes frères. Voilà, maintenant, je vais finir par vous dire que ce qui arrive, c'est très grave. J'espère que cette vidéo ne sera pas supprimée. J'espère que le son est normal. J'espère que ce sera le partage sera au maximum. Salam alaikum, c'est le Karomi. سلام أصلا يقول لك أخويا اختي عايشة واحد الوضعية كارثية، يعني تيقولوا لها سيري في حالك. أنا عندي جوج أخوت في كندا، عندي واحد مهندس إعلامي والآخر كيقري في الثانوية، يعني ناس لاباس عليهم. المفروض أختي ما خصهاش تكون في الزنقة، ولكن الضغوطات كثيرة عليهم لدرجة أنهم باغيين يرميوها في الزنقة. أنا كنتعرض ماشي للضغوطات، سميتها كنتعرض المضايقات في الفيسبوك. هاد المضايقات راني حكيت لك أخويا، ديك النهار كنت كنهضر مع راجلي في الكوزينة، سميتو بيني وبينه، كيعاودها لك. شي واحد بيني وبينه، وهذيك الهضرة كلها اللي قلتها بيني وبينه يعني تعاودت في الفيسبوك، ومن الفوق ايدنتيفيتني انا ما كنعرفهاش اصلا. كيحاولوا يعني يقولوا بدا ما كنت راه عايشين معاك وكنتشتغل هكذاك، وديما كيلوحوا لي مثلا خاصه راه نقدروا نعرفوها. انا كنت عارفه بان اسراري في الدار كلها مفضوحه، انا عارفاها، ولكن دابا خديت الدليل حيت انا هادشي كلشي فورته عندي. من بين المضايقات كاين تهديدات بالقتل، هذه رقم جوج. كاين تهديدات بان حتى واحد ما غيبقى يعاونني، كما درنا على ميشيل زكريا غندير مثلا عليك انت وعلى السي محفاظ اللي واقفين معايا دابا. كاين تهديدات بان الاخت ديالي في شهر 11 وشهر 12 غادي يصفيوها معاها. يعني انا هادشي كنعيشو يوميا، لهذا قررت خديت هذا القرار. يوميا انا غادي نكتب شي حاجه في الفيسبوك ديالي وخاصها تبان للناس كلها، غادي نحكي فيها المشكل اللي عايشه اختي. هذا رقم واحد. رقم جوج، الاخت ديالي اللي لقات راسها في الزنقه، خوتي حتى هما عندهم يعني حتى هما مسؤولين على هذه القضيه، لان شي بزاف على الجبن. يعني هما انا تنقولها لهم، راه حنا عارفه كيسمعوني في اللايف، كنقول لهم راه الاخت ديالكم في خطر وناويين ليها على خزيت، يعني باغي نصفيها معاها اما هذا الشهر ولا الشهر الاخر، وما خصهاش تصفى معاها، يا اما دايرين لها شي بلان باش يدخلوها للحبس ولا يدخلوها للسبيطار ولا يقتلوها، والله اعلم. يعني المفروض نتوما اللي تحميوها ماشي ترميوها للزنقه. يعني هادشي بزاف على الجبن وبزاف على الخوف، كاينه موت وحده في هاد الدنيا. هذا رقم جوج. رقم ثلاثة، السيك الرومي، لو كنتي يعني متفقة معايا، واش ممكن مثلا نديرو لايف مثلا جوج مرات في السيمانة؟ واش ممكن ولا لا؟ إلا بغيتي نديرو معاك كل نهار أنا ما عندي حتى شي مشكل. الله يرحم لك الوالدين، لأن الأخت ديالي دابا في خطر، ما يمكنش تمشي. الناس غادي يقولوا كاينين دي سونتر دو فوايي بوغ فام، كاين ديال العيالات، فهمتيني؟ منين مشات المراه، كاينين مشات جوج فوريه ديال العيالات، الواحد مشات ليه ناضو ناس خدامين تما، عطاو لادغيس للمحكمه ضد القانون، لان ملي كتمشي تما كيكون العنوان سري. هذه رقم واحد. رقم جوج، مشات الفوايه واحد اخر شي عيالات كيقلبوا عليها باغيين يجبدوا ليها الصباح، كانت غتمشي فيها كيحطوا عليها البطل هكاك. يعني اي بلاصه مشات ليها كيديروا ليها المشاكل، في لما حطت رجليها كيديروا لها المشاكل. يعني مصيرها الزنقة، مصيرها الشارع. أختي لا مشات للشارع، المرأة ملي كتبات في الشارع في هذا البرد ناقص 20 درجة والثلج طايح، يعني راه إما غتموت إما غيتكرفص عليها شي حد يقتلها ولا شي يدير ليها الله أعلم. يعني مع العلم أن عندي جوج الخوت تما، هادشي اللي طاري حشومة وعار. لهذا أنا قررت أنني يوميا يوميا غنكتب شي حاجة في لاباج فيسبوك ديالي وخصها تبان للعالم كله، وكنطلب من الناس اللي كيسمعوني عباد الله شويه الانسانيه، بارطاجيو هاد لا فيديو. الفكره اللي جاتني هي انك انت كتعرف شي جورناليست تصل به، لان انايا راك حاضيني في الفيسبوك في الجيميل فين ما اي حركه كنديرها متبعينها. داكشي علاش انا ملي هضرت مع صحفيين مغاربه كلهم تقلبوا عليا، راه الصحفي صيفط ليا دي ميساج ميشيل زكريا، راني عندي الدليل ديال الهضره اللي كنقول، يقول لك بان اتصلت بالشرطه الكنديه وقالت لي قول لينا ما بقاوش نهضروا على هذا الموضوع. صحفي واحد اخر قال لي يا اختي التعليمات جايه من الفوق، مالنا حنا شنو دايرين اللي غنتكرفصوها التكرفيصه كامله.
نتوما كنتو كتعرفوا شي صحفي سواء كنتو في الولايات المتحده الامريكيه في المانيا، تفسروا لهم بان راه ما قادرينش حنا نهضروا معاكم لان اللي هضرنا معاك كيضروا به. فهمتيني خويا؟ داكشي علاش انا كنطلب منك السي كرومي الله يرحم لك الوالدين، ندير معاك 2 مرات على الاقل فيديو في السيمانه باش نبقى ديما على تواصل، نعاود للناس اشنو كاين. وانا يوميا غادي نحط سميتو منشور خصو يبان للناس كلها. واش غادي نقول لك اخويا؟ الله يجازيك بخير، شكرا. يعني اختي صبحي لي انا كنعتذر معاك، الروتار اللي درت ليك راه غير ما كاين حتى شي مشكل اخويا، ما كاين حتى شي مشكل. انا عارف شنو المشكل اللي كان عندي وصافي. كنتمنى ان هذا الفيديو ما يتحيدش، وكنتمنى ان الناس اللي كيتفرجوا فينا يسجلوا لا فيديو عندهم. هو دابا كاين 922 فيو نورمالمون. جيسبر كو سيت فيديو نو سورا با سوبريمي كي ناريفرا ريان اي كو تو سورا في نورمالمون. فوالا كو تو لي بارتاج سورون في نورمالمون. وجزاك الله كل خير اخويا، شكرا. العفو اختي، وتحية للجميع، وتحية لجميع الأحرار، وعافاكم إلى بارطاجيو، لأن الأخت هذه راه معناها غير الله سبحانه وتعالى، يعني حنا لا تخلينا عليها صافي، راه ضاعت ديال بصح، راه الخوت ديالها دابا باغيين يلوحوا على الطلق، هادشي كامل لأن هادوك الناس عندهم سلطة وعندهم قوة وعندهم جاه وعندهم فلوس، ولكن حنا عندنا الله سبحانه وتعالى وعندنا ونعم الضمير ديالنا، بالله ونعم الضمير بالله. ديالنا ما غنبيعوش وما غنتنازلوش على القضية. نتوما ما غتخسروا حتى شي حاجه، يعني نتوما في المغرب ولا خارج المغرب غديروا غير بارطاج هاد الرساله، خاصها توصل لجميع الناس، لا في المغرب لا في كندا لا في فرنسا لا في المانيا لا في العالم كامل. هذه كارثه عظمى، هذه دوله كتقول لك انها عندها الديمقراطيه وعندها الحريه وعندها وعندها وعندها، ومواطنه كنديه ديالهم تماك شنو واقع عليها، كيتمارس عليها التعذيب وحيدوا لها ولادها وحيدوا لها الدار ديالها وحيدوا لها فلوسها، وهادشي كامل حيت الدولة رزقها الدولة المشروع اللي كانت كتحلم وكتخدم عليه وكتسهر عليه فاش طالبت بالحقوق ديالها في هاد المشاكل كلها. كعافاكم انا كنترجاكم الى بارطاجيو هاد اللايف هذا، وتحية لكم وتحية لجميع الاحرار، وكنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، وان شاء الله ترقبوا، يعني ماشي الا بغيتي كاع 4 3 مرات 6 مرات في السيمانة انا مستعد اخدي اسماء، ما عنديش مشكل. الله يرحم لك الوالدين المهم اخويا. هو انا ي... المهم هو اه ان امل هشام ما نقصوا عليها ماشي نزيدوا عليها، يعني نتكاسلوا ولا شي حاجه، بغيت يوميا نديروا لايف ونهضروا على المشكل هذا ونوصلوا الله يجازيك للمغاربه في بخير. الداخل وفي الخارج، وكل انسان اللي عنده واحد الجهد يقدر يعاوننا في هذه القضيه مرحبا مرحبا والله يا ريت. انا غير بارطاج شي بارطاجات، واللي كيعرف شي حد في كندا يا صاحب يا صحابكم يا عائلتكم صفتوا له عاونوني نعرف هذه القضيه. انا مع هذه القضيه، علاش هما باغيين يصفيوا على هذه الايام؟ على هذا الفيديو اللي كندير، على هذا الفيديو ندير، لانهم بداو كيتفرجوا بداو كيتفضحوا، دونك خصنا نزيدوا نفضحوهم باش يعطوا لخصي الثقه. راه ماشي اللعب هذا، راه يقدروا يديروا ليها شي لعبه ولا شي حاجه تلقى راسها في الحبس عمرها ما تخرج، ولا يقتلوها ولا الله اعلم اشنو ممكن يديروا ليها. وهذا الشيء اللي كاين. وجزاك الله كل خير اخويا، شكرا. المهم تحياتي بوليش عبيد، قلتي شحال وانتوما كتكون في كندا وفي اوروبا كامله جنه الحريه دابا ما بقيت وليتو كتشكاو؟ حنا ما كنتشكاوش على الديمقراطيه ولا على الكرامه اللي كنعيشوا هنايا، الا قلت لك الناس كيفاش عايشين هنا غتمشي تنتحر واقيلا. حنا كندويو على واحد الاشكال واقع في واحد المؤسسه اللي استغلت السلطه ديالها والفلوس، فهمتي؟ ما كندوش على الديمقراطيه ولا الكرامه اللي كيتمتعوا بها الناس هنا، لا مقارنه لا مقارنه. ما كاينش هنا ما كاينش الفساد الاداري وما كاينش باك صاحبي وما كاينش هذاك الشيء اللي على بالك. هنا وقع واحد الاشكال في واحد الجهه ضيقه واحد البنيقه ضيقه، استغلوا شي حوايج في القانون واستغلوا السذاجه ديال بعض الناس الرخاص اللي قدروا باعوا الضمير ديالهم، وماشي كنديين، يعني الزوج ديالها راه مغربي، وهما منين دخلوها؟ دخلوها من الزوج ديالها، الزوج ديالها اللي مشى طلقها وقال لهم انها مريضه وسينا في بلاصتها وخد ليها الدار ديالها، فهمتي؟ ما تبقاوش تلاقيو شي بشي باش تلوح ميساج عوج. حنا ما كنخربقوش وما كنخلطوش، حنا هنا خاصك تعرف اننا ماشي منافقين. فاش كتكون بيض بيض، فاش كتكون كحل كحل، صافي مزيان مزيان خيب خيب. يعني انا علاش غنافق نقول لك لا؟ راه اوروبا كلها شي يعني الدول الفقيرة في أوروبا، الدول الفقيرة 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 أحسن من المغرب 100 مرة.
والدول الفقيرة هنا ما عندهم لا فوسفات لا ما غنجبدوا هذا الموضوع عاوتاني ما غنساليوش. نتوما ولفتوا على العبودية، عاجبكم الحال، راضين بالذل، راضين بالفقر، راضين بالظلم، الله يزيدكم. انا مالي، حنا كندويو على موضوع ديال امال هشام. امال هشام تعرضت للظلم كبير من طرف هاد الناس هادو اللي الدولة المشروع ديالها، ومن طرف الزوج ديالها، الدولة ولادها، وحنا بغينا نعاونوها لله في سبيل الله. يعني ما تبقاوش تخلطوا علينا الاوراق. تحية نضالية وتحية لجميع الأحرار، وعافاكم بارطاجيو هذا اللايف هذا، الله يرحم الوالدين، وترقبوا لايفات جداد إن شاء الله على نفس الموضوع هذا. وكاين موضوع خطير بزاف كيتعلق بالمختطفين ديال الريف، كنتوفروا على أدلة قاطعة بالتعذيب ديالهم وسط السجون، الأسماء ديال الناس اللي كانوا ساهرين على السجون، الفرقة الخاصة شكون اللي مصيفطها، عندنا مستندات وأوراق كتبت هذا الكلام هذا. المهم تحية نضالية وتحية لجميع الأحرار، ترقبوا هذا اللايف ديال الصدمة اللي غيكون إن شاء الله سميتو لايف الصدمة، لأننا عندنا إثباتات ديال التعذيب ديال المختطفين في الريف. السلام عليكم.